Nous avons laissé la nouvelle supercar de Nissan qui sort depuis quelques années, c'est le GT-R avec 600 chevaux. Nissan, marque généraliste bien connue, qui fait aussi et qui est le champion du monde des voitures écologiques, surtout électriques avec la Leaf. Et ce constructeur a cela de particulier, c'est qu'il a des voitures électriques, des petites voitures, des grosses, des moyennes, et ça se termine par la supercar qui n'a rien envié à une Ferrari, qui n'a rien envié à une Lamborghini et surtout les Porsche. Donc nous avons laissé pour cette semaine la GT-R. Celle-ci, ce modèle, c'est la Track Edition, qui est carrément une Nismo. Tout le soubassement, les trains roulants, les jantes, les freins sont carrément une Nismo. Et le moteur, c'est uniquement le GT-R avec, on peut dire, uniquement 550 chevaux. Une voiture totalement polyvalente qui roule pratiquement des vitesses faramineuses puisqu'elle monte à 320 km/h, mais roule aussi à 60 à l'heure en 6e dans un mode économique, et c'est une voiture qui est très polyvalente, qui est sportive, mais qui aussi peut se conduire comme une voiture de tourisme.